Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On est toujours en guerre contre et Carthage et la nouvelle Nova Carthago. Alors, ce que je veux regarder là, c'est qui est en guerre avec les esclaves, Syracuse. Alors, les Arvennes. Il faut que j'aille voir les Arvennes. Alors, les Arvennes, ils sont en guerre avec tous mes ennemis, en fait. Voilà, ça Les me dieux paraît se pas mal. réjouiront des mots que nous avons échangés aujourd'hui. Vous nous honorez avec cette victoire. Cet accord est tel un Je festin pense pour que nos là, quatre ça va être pays. Vous êtes super un véritable homme de intéressant. valeur. Pour l'instant, on va rester comme ça. On est très très bien avec eux. Ils sont expansionnistes, mais bon. Je pense que j'avais. Oui, de toute façon, je suis en train de me remettre. Si on regarde un petit peu. Toi, tu surveilles ici. Vous surveillez au nord. Je les joue pas beaucoup, hein. Toi, tu es en stand-by ici. Ok. Eh bien, écoutez, je passe le tour. Si les Arvennes pouvaient m'aider à me débarrasser de Carthage, ce serait vraiment super bien. J'ai pas d'argent pour ça, pour l'instant. Oh putain, la Libye a été détruite! Peut-être qu'il faut que je change mon fusil d'épaule. Hein. Je comptais quasiment sur la Libye pour détruire. C'est quoi ça? C'est le Tibère. Je comptais pour sur la Libye pour effectivement. Bienvenue, bienvenue. C'est dans un esprit d'hospitalité Détruire olympique que je vous Syracuse. accueille et que je vous écouterai avec attention. En fait, c'est ça que j'aimerais bien avoir. Je dois refuser votre offre par simple prudence, bien que votre plaidoyer m'ait réjoui. Ouais, d'accord. Bon, dans l'ordre, faut pas que je l'oublie à chaque fois. C'est une catastrophe. J'ai l'impression que ça marche pas, ça. Peut-être que s'il trouvait une femme. Ça irait mieux. Mais attendez, je fais pas les choses correctement en fait. Et oui, je fais pas les choses correctement. Là, ça va peut-être donner quelque chose. Bien. Donc.
Je pense qu'il va falloir qu'on commence les déplacements. Hein. Non, encore un tour ou deux, on a dit, donc c'est pas bon. On va voir ce que ça donne, ça. Mise en place du blocus. On va voir si on peut maintenir ce blocus ou pas. Ok. Mis à part ça, j'ai pas grand chose à faire, je pense, tout de suite. Tant que mes provinces sont pas stabilisées, je peux pas décemment investir trop, quoi. Par contre, à Rome, on peut y aller, quoi. Bien. Ah, il y a quand même ma Macédonia qu'il faut que je complète. Ça pourrait être utile dans peu de temps, je pense. Il est doux, il est beau de mourir pour servir le peuple. Alors, ça me fait penser que j'ai pas changé le nom de cette légion. Alors déjà ici j'ai un... depuis le temps j'ai un truc qui est pas correct. Donc Macédonia 4. Donc ici ça va être la cinquième Allodei. Donc c'est aussi créé en Afrique. On va utiliser ça. Bien, donc on passe le tour. Donc il faut aller vers l'ouest, faut se débarrasser de Nova Carthago. Oula, oula, oula. J'ai rien compris. C'est sérieux ça? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, dites donc. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc ça, c'est le diplomate que j'ai envoyé tout à l'heure, si on résume. Donc moins 5, ok. Il faut qu'on continue à faire ça, en fait. Sauf que là, je peux plus le faire pour lui. Ou c'est parce que j'ai pas d'argent? Je n'ai pas d'argent. Ok, j'ai tout dépensé déjà. Donc là, c'est parti. Et on va y aller aussi, hein, je pense. Grosse armée, elle est là. J'aimerais bien voir ce qu'il y a à Mingdol aussi, mais ouais, l'urgence c'est quand même ça. Toi, tu vas rester à 10 midi pour l'instant. Alors, je n'ai plus d'argent, donc on, de toute façon on va passer. Allez, donc ça évidemment, c'est pas très bon. Est-ce que je les moyens de lever une force? Alors, ce serait peut-être ça, en fait, le truc à faire. Voilà, au moins... Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter? Bah, rien du tout, dites-moi. Évidemment, le problème, c'est qu'ici...
Alors, à moins que je détruise un de ces trucs. Et voir ce qu'on peut faire. Alors, problème, c'est que Karama, ça se trouve ici. Bon. Je pense que... Je vous cède la parole. Puisse Zeus et tous les dieux bénis. Non, ça marche pas pour l'instant. Bon, allez, on passe le tour. Non, non, on va aller jusqu'à la destruction. Je reviens pas qu'on puisse récupérer une ville suite à une action de ce type-là. Non, non, moi je veux pas qu'on m'adopte. Hein. Alors, au moins faire ça, voilà. Pour pouvoir recruter au moins quelques troupes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'hésite, j'hésite. On va faire ça. Et c'est reparti. Bon, alors c'est parti pour nos deux armées. Toi aussi, tu vas te mettre en marche forcée. Ce que je veux, c'est qu'ils restent ensemble. Alors, mes nouveaux copains, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? Parler, j'en suis sûr. Mais nous avons aussi besoin de bonne nourriture, d'un feu et de belles femmes. Je suis honoré d'accueillir l'ambassadeur d'un peuple si digne. Mes oreilles picotent avec anticipation. Bon, on va laisser filer pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc effectivement, ça va être problématique. Donc, les Vénètes sont en train de se faire détruire en fait par Sparte. Alors, Sparte, il leur reste pas grand-chose pourtant. Qui détruit Je comprends pas là. C'est Athènes qui serait là? J'aimerais comprendre. Donc c'est Sparte qui est ici. Hein. Ouais. Ce sont les Nori qui sont juste à ma frontière. Ouais, ils sont pas très sympas à eux. Hein. Alors attendez quand même. Soyez le bien
Écoutez, on va se battre. Alors, ici, on a quoi? Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Ah, faut pas que j'expose ma cavalerie. Donc, c'est toi, tu seras en renfort seulement, en fait. Toi, tu vas aller par là. Voir ce qui se passe à Migdol. Ok, une petite armée. Et donc toi, on enlève la marche forcée. Et on attaque Tingis. Alors, il y a quand même du monde, hein. Bah écoutez, on va la faire, la bataille. Donc on va bien regarder le terrain et voir ce qu'on fait. On est 207 avant Jésus-Christ. Alors c'est parti. Alors les bateaux vont sûrement arriver par là, je pense. Peut-être même... Ouais, non, ici, là, vous voyez. Donc je pense qu'on serait pas mal ici. Et mes renforts, ils arrivent d'où? Donc je vais pas les avoir tout de suite. Donc on va se placer comme ça, je pense. Et on shootera ces deux tours. Et ensuite celle-ci peut-être. Donc là, ma cavalerie, elle est plutôt bien. Donc je vais la laisser ici. Je vais peut-être shooter en fait ces tours-là d'abord. Donc ensuite, j'ai mes tireurs ici. Je pense que je vais emmener en fait le groupe 4 là-bas. Ah oui, j'ai mes... J'avais oublié ce détail. Ça, et il me reste évidemment mon général. Ok. Donc lui c'est 5. Vous, je vais pas faire de groupe, je le sélectionnerai à la marge. Allez, c'est parti. Oh là là. Donc on va déjà faire une petite pause. Donc ici, vous allez me shooter cette tour. Donc là, on va essayer de venir ici. Vous ici, j'espère que je ne serai pas à portée là. Et ma cavalerie à la limite ici. Ensuite, vont arriver tous mes renforts. Est-ce qu'ils vont débarquer ici? Ou ils font le tour? Oh là, oh là, oh là. Alors, là, tout est arrivé, je pense, maintenant. Voilà. Une tour a été détruite. Donc on va shooter celle-là. Ok, donc ça c'est pas mal. Notre général se fait attaquer. Il est où mon général? Ma cavalerie.
j'ai une cavalerie en renfort qui arrive. On en est où là des combats? Alors, ça, c'est mon groupe 6. Dès que ça pourra, ça shootera cette tour. Ok, la tour a été détruite. Donc on va détruire celle-ci. Tout a été détruit ici, donc on va venir là. Bon, pour l'instant ça va. Ah mais j'avais pas détruit cette... Non, c'est la porte qu'il faudrait que je détruise en fait ici. Non, on va pas toucher à cette porte là, c'est peut-être celle là qu'on détruira, ou les murs ici. Oula, mais il y a du monde là. Donc là, il n'y a plus rien. Tour ennemie détruite. Ok, on va shooter ça. L'autre, c'était quoi? 6. On va détruire ça si on peut. Pas où vous allez atterrir les gars. Ok, ils ont été détruits. Alors c'est quoi ça? Donc là on a ouvert ça. On va shooter ça aussi. Non, pour l'instant, ça vient pas au niveau des bateaux, évidemment. Quand vous voyez l'armée en face qu'il y a, c'est un petit peu logique que vous soyez pas pressé de d'attaquer. Bon, on va laisser filer pour l'instant. Ok, est-ce que l'autre est en train de tirer là? Non, ils sont encore en train de bouger. Ouais, je vais aller plutôt loin là-bas en fait. Parce que là, je voudrais pas m'exposer avec les bateaux qui arrivent. Alors. Toi, tu viens là, et toi, tu viens là. Il reste celle-ci qui effectivement peut tirer là. Ah bah les voilà. Ça c'est cool. Allez, on va se détruire ça.
Ok. Donc c'est celle-là qui va reculer ici. Allez. On sera débarrassé, je pense, des bateaux. Ah non, il y en a qui fuient là. Mais je pense qu'ils ont... Ils ont sorti leurs troupes de là. J'aurais peut-être dû lancer ça avant parce que le temps qu'ils arrivent, peut-être que la bataille sera terminée. Donc tout s'est barré là, les bateaux sont ronds, donc ok, on est bon. Ici ça tire ou pas? Bon, et eh ben écoutez, on va pouvoir y aller. Ah non, il reste du monde ici. Allez, on va attendre un peu. Ça, c'est mes balises qui n'ont plus rien. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas tirer là, c'est un peu ennuyeux. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Quoi? Oh, c'est une blague. Ah, je prends trop de risques avec mes généraux. Ok, là ils peuvent tirer, donc du coup là je vais me reculer un peu. Alors, qui a perdu les munitions? C'est parmi elles ou pas? Elle, ça va. Ok, là ça va monter, donc on va commencer à rentrer. Rien. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Ouais, il faut que je fasse attention à mes généraux, c'est pas possible que ça continue comme ça. Alors, ici on est rentré. Cavalerie qui sont mal utilisées aussi. Il reste 41 bons hommes ici. Vous avez toujours des munitions. Donc on va essayer de se débarrasser de ça. Ils servent à rien en fait ici, j'ai pris la porte en plus. Ah non, si, ils sont là, pardon.
Ok, montez, battez-vous les mecs. Donc eux ils se battent plus. Ok, le général ennemi est mort. Au moins il n'y a pas que le mien qui meurt. Bon, ça me permettra peut-être de corriger les trucs hein, au niveau des généraux. Allez, pétez-moi cette porte. C'est quoi là derrière? Toujours pas. Ok, les portes sont détruites. Je me suis peut-être trop étalé en fait. Bon, donc ici, il faut rentrer maintenant. Là, il y a une force qui m'ennuie. Hein. Attaquez leur position. Allez, on va faire rentrer tout ça ici. Ok, ça lâche de partout là. Hein. Mes balistes, vous allez arrêter de tirer là. Vous allez tirer ici. On va essayer de prendre ça vite fait. Allez, on avance. J'ai mes balises qui continuent. Ok, elle a des munitions. Donc toi, t'en as plus. Tu t'en vas. Ok, bah on est bien. On a eu des pertes comme d'hab, hein, mais... On va prendre ce point là déjà, je sais pas si ça va suffire pour remporter la bataille. Eh ben dis donc, quelle bataille. 410 pertes. Par contre, le général, pff, chier quoi. Ça, c'est emmerdant. Il y avait du monde en face, et puis ils sont derrière des murailles, hein, donc faut toujours en tenir compte. Du mauvais corbeau, mauvais œuf. De mauvais corbeau, mauvais œuf. Bon, en tout cas, c'est une grosse ville. Ouais.
Alors. Ah, y a pas du tout de. C'est dingue. Il y a deux Junia. Bon. Alors, on n'a pas perdu d'unité, mais comme d'habitude, il va falloir se remettre. Là, c'est pareil. Alors, on a quoi ici? On a une toute petite armée. Donc. Ah, il faut absolument que j'arrive à recruter des troupes, donc on va faire ça. J'ai pas trop le choix. On va faire une petite école de gladiateurs, c'est très bon pour l'ordre public. Ok, là l'ordre public est bon, mais à cause de la présence militaire, ça va pas durer. Bon, il nous reste Migdol à récupérer. Ok, donc ça c'est good. Donc qui est mort? Je sais plus qui est mort en fait. Toi, je peux pas faire grand-chose. Ok, on va faire ça. Peut-être que ça peut aider. Ici, on va sécuriser la loyauté. Fils à 14 ans, donc je suis pas encore bon, mais putain, vous pouvez pas faire les enfants. Ah ouais, elle a 61 ans, elle a eu 43, donc non, la relève, c'est lui, hein. Alors, donc on a dit. Alors d'ailleurs, ils sont dans quel état en fait? Donc les Arvennes. Confédération celtibère. Ils me voient pas d'un bon oeil, hein, mais eux, je vais les tuer, hein, si ça continue. Ce sera une prochaine cible. Bon, on en est où, messieurs, dames? Donc on va redonner un. Pacte de non-agression. Ces mots emplissent mon cœur de joie et mon esprit d'espoir. On a changé d'avis souvent, mais voilà. Là, j'ai pas trop le choix, je m'éloigne de plus en plus. Mes armées sont pas près de revenir. J'ai pas les sous pour recruter, donc on va laisser filer pour l'instant. Ok, je passe un tour. Alors, la Fasania, évidemment, ça va pas fort. Alors, je pense que j'ai détruit ça, hein, donc en tout cas, j'ose l'espérer. Justement, je vais passer le tour et on voit ensuite ce qu'on fait. Germanica. Ça me paraît pas mal, ça. Ok.
Alors cette armée, est-ce qu'elle... C'est quoi ça? Oh là là, mais... On va venir ici. On va maintenir le blocus ici. Oh là là, il y a une armée qui est passée que je n'ai pas vue, dites donc, dans mon dos. Donc on va faire ça. Est-ce que j'ai une armée qui peut y aller, les deux? Faudra voir ça au prochain tour. Tiens donc. Ok, ça retourne à Migdol. Une femme fait montre d'un talent inouï pour le commerce et a récemment fait gagner une fortune à sa famille. Selon la rumeur, elle aurait découvert de nouvelles sources de marchandises rares dans des contrées lointaines. Vous pourriez l'engager pour remplir. Ok. Ouais, je suis toujours pas bien avec lui là. Alors j'ai rien d'accessible en plus. J'ai pourtant plein d'argent. Je vois pas ce que je peux faire avec ce gars. Hein. Alors, voyons voir avec Syracuse. Bienvenue, bienvenue. C'est dans un esprit d'hospitalité olympienne que je vous accueille et que je vous écouterai avec attention. Je sens qu'ils vont m'embêter, ils vont jamais accepter à tous les coups. Bon, l'armée, elle est où? Ben, voyons. Alors le problème c'est qu'ils vont me balader si je fais ça. Mais on va quand même le faire. Il va falloir que j'envoie une des deux armées là. Ça sera vous. Ok, qu'est-ce que ça donne au niveau... Alors, Mania Gracia, je sais pas pourquoi, il y a déjà des trucs qui baissent régulièrement. Donc on va donner ça. Ben voilà. Voilà quelqu'un qui peut peut-être me permettre. On va déjà faire ça. Envoyer chez une faction afin de tenter d'améliorer la relation avec elle. Oui, c'est ça que je faisais pas, évidemment, forcément. Donc on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ok, désolé, hein, c'est des parties. Alors je pense que l'interface a vachement changé, en fait, par rapport à la version d'il y a quelques années. Et c'est pour cette raison que... effectivement, je m'y perds. Pour moi, il y avait de l'assassinat assez facile d'accès. Là, je vois qu'il faut, il faut pas mal de conditions pour réussir à faire ces actions, quoi. Bon. Alors,
je sais plus comment ça marche. Votre fonctionnaire a entravé le commerce et le recrutement naval tant que le blocus sera en place. Ok. Écoutez, on va faire ça. Faudrait vraiment que je me débarrasse de cette armée là qui est dans mes terres là. Allez, on passe le tour. Sparte, ils ont toute la côte adriatique là. Hein. Tiens, tiens. Non, non, je souhaite pas moi. Ok, ils sont là. Votre Tiblon vous a trahi. Super. Super. Un sou a surpris en train de dégrader un temple de Jupiter. Encore. Je vais le punir moi-même. Attendez. Oui, tant pis. Elle nous a trahi, elle. Purée. C'est elle qui nous a trahi en plus. Femme opportuniste. Ouais, je pense pas que c'était une très bonne idée en fait. Mais bon, en attendant, c'est remonté un peu partout. Ça va pas durer, hein, je pense que c'est trop léger quoi, pour que ça dure. Alors toi, tu vas aller à Jol. J'espère qu'il peut, qu'il ne peut pas attaquer d'immédiat de là. Alors, toi. On est parmi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à Jol? Si on va à Jol, ils vont nous attaquer. Donc, on va peut-être attaquer Kadira. Écoutez, on le fait en automatique. Oula! Oula, 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 c'était une erreur de faire ça en automatique. Bon, c'est pas grave. C'est toujours ma cavalerie qui morfle, hein, vous avez remarqué. On va faire... On peut pas faire ça. Hein. Ouais, ça c'est intéressant. C'est juste énorme. Portée de déplacement sur la carte de campagne, c'est juste gigantesque. Ok. Alors c'est les Italiens qui attaquent cette ville. Ça c'est dommage, mais bon. On va tout détruire ici. Ok. Ok, ok. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Enfin, on verra ça plus tard, mais... Bon, du coup, bah, j'ai fait une grosse bataille. Je sais plus où on en est de l'épisode. Alors, je vais certainement donc regarder ou checker ça. Ils sont en guerre avec les esclaves et la confédération. Ils sont pas mal, ils me plaisent bien, eux. Salutations, mon ami. Nous parlerons ensemble de ce que vous voulez tant que vous useriez... Je suis sûr que vos produits trouveront acheteurs bon. Quelque part. On va pas insister pour l'instant.
Donc ils ont une grosse armée, ils ont quelques territoires. Ok, bon je regarde où j'en suis en enregistrement et puis peut-être à tout de suite ou au prochain.